Bonjour tout le monde. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français. Et il me fait plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Le REFIPS pour améliorer durablement la santé des populations dans l'espace francophone, ici et à l'international ». D'abord, quelques mots sur la Société Santé en français. Vous voyez que la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Deux séries de webinaires sont offertes. La première, Découverte, vous invite à découvrir une nouvelle initiative ou ressource. Le webinaire présenté aujourd'hui se situe dans la série Découverte. Les objectifs des webinaires sont d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, et finalement de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Avant d'aller le dessin de la programmation des activités de la Société Santé en français, dont le thème est « Parcours santé, passer à l'excès ». Le webinaire d'aujourd'hui rejoint la destination de la pastille violette, celle des communautés engagées et outillées, en nous faisant découvrir une ressource et un outil. Nos présentatrices d'aujourd'hui. D'abord, Sarah Chaput. Sarah Chaput coordonne la région des Amériques du REFIPS depuis l'octobre 2019. Elle détient un bac en nutrition et une maîtrise en santé publique. Elle a œuvré comme conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec et comme coordonnatrice de projet au Public Health Advocacy Institute of Western Australia. Sarah compte plusieurs publications sur les thématiques de l'accès aux aliments sains, des boissons sucrées et bientôt sur l'utilisation du plaidoyer pour la santé. Son rôle dans le REFIPS Amérique l'amène à s'impliquer activement dans des projets et activités très variés en promotion de la santé et à l'échelle internationale. Sarah valorise le partage des connaissances et des expertises en promotion de la santé dans une perspective de santé durable et de relations gagnant-gagnant entre les parties prenantes. Notre deuxième conférencière, Mme Chantal Lévesque, détient un baccalauréat en sciences politiques et une maîtrise en santé communautaire. Chantal est responsable de plusieurs programmes du premier cycle à l'Université de Montréal, dont en santé publique, en gestion des services de santé et des services sociaux et en intervention psychoéducative. Chantal est le co-leader de la mise en œuvre du plan d'action en décolonisation, réconciliation et autochtonisation à la Faculté de l'éducation permanente de cette même université. Chantal est très impliquée et elle a occupé plusieurs fonctions au sein des divers organismes publics, parapublics et communautaires. Chantal Lévesque occupe le rôle d'administratrice du REFIPS Amérique depuis automne 2019. Chantal est actuellement très engagée dans le développement d'un projet sur la santé des populations autochtones. En tant que francophone originaire du nord du Nouveau-Brunswick, elle connaît bien les enjeux des francophones hors Québec. Prochaine diapo. Alors, avant de céder la parole à nos conférencières du jour, quelques éléments de logistique pour vous informer que vous êtes tous présentement en mode sourdine. Si vous voulez participer ou communiquer avec nous en cours de webinaire, nous vous invitons à utiliser la boîte de conversation, communément appelée « chatbox », au bas de votre écran. De même, en cours de webinaire, il y aura quelques sondages interactifs. Ceux-ci sont facultatifs et anonymes. Alors, pour se pratiquer, en voilà un premier à l'écran. Alors, connaissiez-vous déjà le REFIPS
avant de vous inscrire au webinaire d'aujourd'hui. Alors, vous cochez la réponse qui correspond à votre situation. Non, pas du tout. Oui, un peu. Ou oui, très bien. Alors, vous cochez la case, puis vous allez au bas de votre écran pour cliquer « Soumettre ». Donc, pendant que vous vous exécutez, je vais vous informer que vous êtes très nombreuses et nombreux derrière les écrans aujourd'hui. Nous en sommes très fiers, des gens de un peu partout au Canada et également à l'international. Alors, on voit les résultats du sondage. Donc, 26 % d'entre vous ne connaissiez pas le REFIPS avant le webinaire d'aujourd'hui. 48 % d'entre vous le connaissiez un peu et 26 % le connaissaient très bien. Donc, c'est très intéressant et ça signifie que nous serons à même, par le biais de ce webinaire, de vous informer du REFIPS et de vous donner le goût d'y retourner. Je tiens aussi à vous informer que, suivant le webinaire d'aujourd'hui, l'enregistrement du webinaire sera disponible la semaine prochaine sur le site de la Société Santé en français. Et de même, la présentation en format PDF de nos conférencières d'aujourd'hui sera également disponible. Alors, à partir de maintenant, je vais cesser le partage de mon écran et je vais inviter nos conférencières du jour, Sarah Chaput et Chantal Levesque, à partager leur écran pour offrir leur contenu. Mesdames, merci. Merci, Nathalie. Alors, ma collègue Sarah devrait bientôt ouvrir son écran. Alors, je vais en profiter en attendant que Sarah arrive. Merci pour l'opportunité qui m'est offerte d'être avec des compatriotes aujourd'hui, étant, comme disait Nathalie, une native du Nouveau-Brunswick et plus précisément de Saint-Quentin. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être capable de partager un moment avec vous, mais les francophones hors Québec, d'ailleurs, du Nouveau-Brunswick aussi. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, Sarah, tu es revenue, je te laisse la parole. Est-ce que tu voulais introduire la présentation ou j'y vais? Non, vas-y. Ça va, OK. Donc, le webinaire, en fait, va se dérouler en premier par quelques questions qu'on souhaite vous poser. Une autre question, on en a déjà une qui est super intéressante. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas le REFIPS. Donc, ce sera l'occasion de découvrir. Ça va être juste après, en fait. C'est pas tout de suite le quiz. OK. Donc, ça va être les questions participants en premier. Ensuite, je vais vous présenter le REFIPS, c'est plus précisément la région des Amériques, mais les ressources qu'on développe sont aussi pertinentes pour les gens qui sont situés ailleurs. Donc, on va vous présenter aussi, c'est quoi être membre du REFIPS et ce sera suivi d'une période d'échange pour qu'on puisse connaître vos questions, vos commentaires, vos idées. Alors, sans plus tarder, on peut commencer avec le quiz. Est-ce que le quiz est en cours? Voilà. Donc, je crois que le quiz est en cours. Je vais attendre la réponse. La première question, c'est où est-ce que vous êtes situé? Donc, on sait que vous venez où est-ce que vous venez au Canada, si vous êtes au Canada, ou sinon, où est-ce que vous vous situez dans les Amériques et ou dans le reste de la francophonie? Et l'autre question, c'est est-ce que vous êtes familier ou familière avec le concept de promotion de la santé? Je pense que je voulais m'assurer, Sarah, que l'Est du Canada soit bien représenté parce qu'il est à deux fois dans les questions. Ah, oups! J'ai un parti pris, je pense. Donc, je pense qu'on attend qu'il y ait 70 % des personnes qui aient répondu au sondage. Ah, voilà. Voilà. Je te laisse commenter, Chantal. Alors, on a le plaisir d'être avec des gens de l'Ouest du Canada. On sait qu'il y a un décalage horaire aussi, hein, 4 %. Ensuite, dans le centre du Canada, vous êtes 11 % d'être avec 11 % d'entre vous est avec nous et j'ai l'honneur de dire que 53 % en ajoutant le 55 % de l'Est du Canada y est. Mais il y a pour les autres aussi, mais j'ai un parti pris. Département français d'Amérique, nous n'en avons
part ailleurs dans la région des Amériques, 2 % en Europe, 17 % intéressant aussi. Afrique ou Moyen-Orient, 9 % Donc, c'est très, très, très intéressant d'avoir que nous sommes plusieurs à travers le Canada et ailleurs d'être ensemble aujourd'hui. Merci. Alors, sans plus tarder, c'est ça, en fait, je vais vous présenter le REFIPS. Notre mission, c'est de faire reconnaître et renforcer la promotion de la santé dans l'espace francophone. Et c'est une organisation qui existe depuis 1992 et donc qui va célébrer son 30e anniversaire l'an prochain. Pour réaliser sa mission, le REFIPS anime un réseau de partage de connaissances, d'expériences et d'outils en promotion de la santé. Et c'est un réseau qui réunit des acteurs et actrices de différents secteurs de la société qui ont un impact potentiel sur la santé des populations. Donc, les valeurs du REFIPS, c'est vraiment principalement l'empowerment, l'équité et la collaboration. Le REFIPS adhère à la définition de promotion de la santé de la Charte d'Ottawa et c'est d'ailleurs peu de temps après la mise en place de la Charte d'Ottawa que le REFIPS a été créé. Actuellement, le réseau compte plus de 1300 membres répartis dans une trentaine de pays de la francophonie. Et le REFIPS, en fait, c'est le seul organisme qui est intercontinental et qui opère à la fois exclusivement en français et en promotion de la santé. C'est aussi un réseau linguistique qui est associé à l'Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé, qui est aussi un réseau qui est trilingue et qui existe depuis 70 ans. Et avec qui on travaille beaucoup. Le REFIPS, c'est une organisation qui est centrée sur les pratiques de terrain. Donc, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le travail des intervenants, intervenantes et acteurs et actrices de terrain. On vise l'action sur les déterminants de la santé, donc les causes profondes des problèmes de santé et la réduction des inégalités de santé, et tout cela dans une perspective de développement durable. Donc, on mise vraiment sur des actions qui sont intégrées et intersectorielles, qui tiennent compte des différents paliers décisionnels et des différents acteurs de la société qui sont impliqués dans notre santé. Alors, je vous ai mis une citation ici que j'aime bien. Pourquoi traiter les gens si c'est pour qu'ils retrouvent les mêmes conditions qui les ont rendus malades? Parce que ce qu'on voit, c'est que les mêmes déterminants sont associés à différentes conditions de santé. Et si on agit vraiment à la source, bien, à ce moment-là, on peut avoir un impact sur plusieurs problèmes de santé. Alors, c'est là-dessus qu'on mise. Donc, le REFIPS international est divisé en 4 régions géographiques qui sont les Amériques, l'Afrique, qui inclut aussi le Moyen-Orient, l'Europe et le Pacifique. Donc, au sein, en fait, le REFIPS international est géré par un bureau permanent qui est composé d'un correspondant pour chacune des régions géographiques. C'est des correspondants qui sont élus et qu'il y a aussi des correspondants adjoints dans plusieurs régions, principalement en Afrique, puisqu'il y a quand même plusieurs représentants en Afrique. Dans le fond, le REFIPS international, c'est important de savoir qu'il n'y a pas d'équipe permanente, mais qu'il y a une structure qui nous permet de collaborer. Et au sein de chacune des régions du REFIPS, peuvent se développer des sections locales par pays ou par regroupement de pays, à l'initiative des personnes qui se trouvent sur le territoire. Et d'ailleurs, il y a des sections locales qui sont en train de se créer en Afrique et il y en a 2 qui sont officiellement créées en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est ça, en fait, le REFIPS Amérique, lui, est géré par un conseil d'administration et depuis récemment, le REFIPS Pacifique aussi, mais ce n'est pas encore le cas pour l'Afrique et l'Europe. Mais en Afrique, il y a des sections locales qui se développent. En Europe, ça bouge aussi. En fait, ça bouge beaucoup en ce moment. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment avec le leadership local que des sections locales ou des régions peuvent se structurer ou se créer. Pour ce qui est de la région des Amériques, elle couvre le territoire, entre autres, le territoire du Canada, incluant le Québec, Haïti, les départements français d'Amérique. Et bien sûr, inclut aussi toute autre personne qui se trouve dans la région des Amériques et qui s'exprime en français. On a une équipe permanente qui est composée d'une coordonnatrice, moi-même, et d'une responsable des communications
et on a un conseil d'administration de 11 membres qui gère l'organisation. Maintenant, je vais faire un tour d'horizon des activités du Reflips Amérique qui s'articulent autour de trois axes. D'abord, le premier axe, c'est favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques. Le deuxième, positionner et faire reconnaître la promotion de la santé dans l'espace francophone. Et enfin, le troisième, mettre les acteurs en réseau et catalyser les opportunités. Donc, pour le premier axe, qui est de favoriser le partage des connaissances et des pratiques, on le fait de différentes manières. D'abord, en développant des connaissances utiles à la pratique, en partageant des connaissances, en développant et organisant des activités de formation et en réalisant des projets d'accompagnement. Donc, pour ce qui est du développement de connaissances, on a une série de plusieurs publications qui visent en fait à outiller les intervenants et professionnels de terrain. Entre autres, je vais passer rapidement, mais par exemple, on a un guide sur l'approche santé dans toutes les politiques au palier local, un guide sur l'approche écologique, un guide pour aider le développement, la planification en fait d'une intervention en promotion de la santé. Une autre publication sur le rôle du sentiment de cohérence et les pistes d'action possibles pour agir sur le sentiment de cohérence qui joue un rôle clé dans la santé mentale et ça a été observé justement dans le contexte de pandémie. Et dans les prochaines semaines, on publiera un nouvel outil, un guide pratique pour la préparation et la mise en œuvre d'un plaidoyer pour la santé. Et c'est un guide qui sera accompagné d'une série de fascicules qui présente des démarches de plaidoyer qui ont été menées dans différentes régions du REFIPS à différents paliers décisionnels et dans des contextes variés avec des sujets variés. Donc, le but, c'est vraiment d'outiller et d'inspirer les personnes qui travaillent en promotion de la santé à réaliser une démarche de plaidoyer et de savoir comment s'y prendre. On est en train aussi d'entamer une démarche pour développer des outils pour agir en promotion de la santé et en prévention selon la perspective autochtone. Tout à l'heure, Chantal pourra vous en parler un petit peu plus de ce projet-là parce qu'elle est très impliquée. Donc, ensuite, pour développer des connaissances toujours, on a aussi une base de connaissances sur les inégalités sociales de santé. Nos derniers modules portent sur des sujets aussi variés que les zoonoses, la santé mentale ou l'intervention en nutrition dans les 1000 premiers jours de vie. Cette base de connaissances, je cherche ma souris pour aller vous la montrer sur notre site web. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça a changé? Oui, non? Chantal? Oui, tout va bien. Oui, OK. Merci. Donc, la base de connaissances est divisée en quelques grands thèmes touchant les inégalités sociales de santé. Sur notre site web, dans l'onglet ressources REFIPS, vous pouvez la retrouver et simplement cliquer sur la thématique qui vous intéresse et vous allez retrouver les modules. Donc, la base de connaissances, suite à un sondage qu'on a mené auprès des membres et de partenaires qui sont impliqués dans les inégalités sociales, on a pris la décision de remettre à jour, de faire une mise à jour visuelle et de certains contenus de la base de connaissances parce qu'on voyait que c'était un besoin de la part de nos membres et de nos partenaires. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler dans la prochaine année. Alors, pour le moment, la base de connaissances est hébergée sur le site du REFIPS, mais ça pourrait changer éventuellement. Bien sûr, on tiendra informé nos membres de ces changements. Ensuite, pour les publications, c'est aussi dans ressources REFIPS, donc vous pouvez les trouver en format téléchargeable sur le site web. Donc voilà, vous pouvez télécharger ici et sont toutes ici. Je vais revenir à ma présentation. OK. Ensuite, pour ce qui est de partager des connaissances et des pratiques, on a un site web Promo Santé qui est une plateforme de veille informationnelle en promotion de la santé. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repère l'information pertinente en français, donc les publications, guides et outils, événements en français et on les regroupe sur ce site web et on le met à jour de façon hebdomadaire. On a une infolettre aussi associée.
Donc, ça permet aux personnes qui sont abonnées d'être au courant des outils qui se développent en français. Donc, c'est vraiment une ressource clé. Et d'ailleurs, on est en train de travailler à mettre à jour la stratégie de veille informationnelle et à potentiellement développer d'autres volets, de nouveaux volets pour ce site web. Et c'est ça, certainement, dans notre démarche qu'on est en train de commencer, on va impliquer les membres pour connaître quels sont les besoins de services pour qu'on puisse vraiment avoir un site web qui répond aux besoins des francophones en promotion de la santé. Ensuite, pour ce qui est, pour favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques, on est encore dans le premier axe qui est le plus volumineux. On développe et on organise des formations. D'ailleurs, cette année, on entame un projet de développement d'un cours MOOC, qui est une formation en ligne en promotion de la santé, qu'on souhaite, qui serait destiné à des professeurs qui veulent enseigner la promotion de la santé, pas nécessairement du domaine de la promotion de la santé, au contraire, plutôt de domaine soit de la santé ou de sciences sociales. Donc, de vraiment rendre accessible ces concepts-là de base en promotion de la santé. Et ce sera aussi utile pour des professionnels qui désirent réaliser de la formation continue. On a, comme un peu beaucoup d'organisations, on s'est aussi mis à présenter des webinaires. Il y en a un autre qui va être organisé par la Société Santé en français et qui a lieu le 14 avril sur la santé dans toutes les politiques, et un autre le 28 avril sur la promotion de la santé en temps de crise, qui est une prise de position qu'on a publiée, et le sentiment de cohérence. On est aussi impliqué dans les universités sœurs en santé publique, notamment celles de Port-au-Prince et de Dakar. Les universités sœurs, c'est en fait une formation qui se déroule sur une semaine et qui offre plusieurs modules auxquels les participants s'inscrivent et restent dans le même module toute la semaine. Donc, c'est un type de formation qui est très apprécié et qui pourrait aussi peut-être se développer ailleurs. Et le gros événement, en fait, qui nous occupe en ce moment et qui va nous occuper dans la prochaine année, c'est la prochaine conférence mondiale en promotion de la santé a lieu à chaque 3 ans. Et l'année prochaine, ce sera à Montréal, au mois de mai 2022. Donc, ça sera vraiment une occasion pour les gens des Amériques d'assister à la conférence sans que ce soit trop loin. Et en plus, ce sera en territoire francophone. Donc, nous, on mise vraiment, on travaille fort avec le sous-comité francophone international qui implique des gens de toutes les régions du REFIPS pour offrir un contenu de haute qualité en français le plus possible. Et également, on va travailler fort à inviter les gens qui travaillent en promotion de la santé et qui ont des choses à proposer pour la conférence. Donc, ça risque vraiment d'être une belle opportunité de réseautage. Le thème principal, c'est des politiques publiques pour la santé, le bien-être et l'équité. Et il y a 3 thèmes, en fait. Le premier, c'est de saisir les opportunités dans les changements actuels. Alors, ce thème-là, en fait, dans le contexte de pandémie, des changements climatiques, des mouvements migratoires, de l'évolution des technologies, dans ces contextes-là, comment est-ce qu'on peut créer des fenêtres d'opportunités ou saisir des opportunités pour le développement de la promotion de la santé? Donc, premier thème. Le deuxième, c'est s'affranchir des visions conventionnelles du monde, aller vers la décolonisation des pratiques, des politiques et des savoirs. Et le troisième, c'est innover en brisant les silos entre les disciplines, les secteurs de la société et les identités. Donc là, c'est vraiment, on mise vraiment sur l'interdisciplinarité pour ce thème-là. Donc, si vous avez des choses à partager, l'appel à résumer sera ouvert bientôt, au mois d'avril jusqu'à septembre. Et je vous ai mis dans le PowerPoint le lien pour accéder au site web de la conférence. Donc, vraiment, on espère vous voir en grand nombre et avoir l'occasion d'échanger avec vous à cette occasion. Ensuite, on réalise aussi des projets d'accompagnement. On est notamment impliqué dans la mise en ligne du master en promotion de la santé de l'Université de Parakou au Bénin. Et en fait, il y a une première cohorte qui termine dans quelques semaines sa première année du master. Et il y a 95 étudiants dans cette première cohorte. Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine cohorte. Et on a vraiment été agréablement surpris et surprise de l'engouement qu'il y avait
pour la formation. Et d'ailleurs, dans la dernière année, honnêtement, on a tellement, je perçois dans tous les aspects de mon travail l'engouement pour la promotion de la santé. Je pense que la promotion de la santé apporte des solutions concrètes à des problèmes complexes. Et c'est pour ça que ça suscite l'intérêt, parce que les approches de promotion de la santé tiennent compte de la complexité des problématiques. Donc, voilà, je reviens à ma diapo. On a aussi la politique, on est aussi impliqué dans la mise en application de la politique nationale de santé scolaire en Haïti, dans un projet de collaboration pour la promotion de la sécurité routière, toujours à Haïti, et dans un projet sur la santé et les droits sexuels et reproductifs en Côte d'Ivoire. Donc, on a quelques activités aussi à l'extérieur. Donc, maintenant, ça, c'était tout pour le premier axe. Le deuxième, c'est de positionner et faire reconnaître la promotion de la santé. Notamment, on le fait via des prises de position. On en a publié une avec notre partenaire de l'Union internationale sur le rôle de la promotion de la santé en temps de crise, et on va en parler dans le webinaire du 28 avril. Et on a aussi un projet qu'on mène qui s'appelle « En route vers une compréhension commune du concept de promotion de la santé ». Ce projet-là, comme le nom le dit, son objectif, c'est de développer une vision commune du concept de promotion de la santé dans l'espace francophone. Et en fait, pourquoi ça a été mis en place, c'est que ça fait plusieurs années que des acteurs et actrices de promotion de la santé constatent que le concept de promotion de la santé est diversement compris et que ça a des répercussions sur les approches qui sont mises en place sur le terrain. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un groupe de travail international dans lequel des correspondants de différentes régions du REFIP sont impliqués. Ce qu'on souhaite faire, c'est de voir quelles solutions on aurait pour avoir une vision commune, parce que c'est au cœur de la mission du REFIP, c'est le thème qui nous unit. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir cette vision-là partagée? Et on compte impliquer des acteurs clés en promotion de la santé dans la francophonie et bien sûr de la francophonie canadienne hors Québec. Donc voilà, ça c'est un projet qui s'en vient. Ensuite, le troisième axe, c'est de mettre les acteurs en réseau et catalyser les opportunités. Bien sûr, comme réseau, le plus on peut créer de synergies, le mieux c'est, parce que des fois, il y a des opportunités peut-être qui ne pourraient pas être créées sans un réseau. Donc, voilà, on compte en créer de plus en plus. C'est ça, on est aussi en train de développer un réseau d'expertise en ce moment pour pouvoir mettre à profit l'intelligence collective. Donc, pour nous, l'expertise telle qu'on la définit, c'est la combinaison des connaissances scientifiques, des savoirs interventionnels, expérientiels, de contextes et d'acteurs. Alors, tous ces savoirs forment une intelligence collective qu'on voudrait de plus en plus mettre à profit dans les prochaines années pour qu'on puisse avancer tous ensemble et s'entraider. Voilà, et être membre du REFIPS, en ce moment, c'est être aux premières loges de ce qui se passe en promotion de la santé en francophonie. Donc, nous, on a une stratégie de veille en train de mettre à jour notre stratégie de veille pour qu'on puisse le plus possible vous tenir informé de ce qui est pertinent pour les acteurs et actrices de terrain, pour vous outiller. Bien sûr, si vous travaillez pour une organisation et que vous développez justement des travaux qui sont pertinents à partager, ça nous fera plaisir de le faire, parce que la connaissance n'est utile que si on la partage. Comme je vous l'avais mentionné un peu plus tôt, on veut aussi de plus en plus inviter nos membres à contribuer à orienter les décisions concernant le développement des services. Je pense entre autres à Promo Santé. Et je vous ai parlé aussi de notre réseau d'expertise et de partenaires en promotion de la santé. Alors, je pense que dans le contexte actuel, tout appelle à s'unir. C'est ça, en fait, je vous ai mis le lien si vous souhaitez devenir membre du REFIPS. C'est gratuit, en fait, de devenir membre. Donc, sans plus tarder, j'invite Chantal à nous parler un peu, justement, de sa vision de la promotion de la santé du REFIPS, de son expérience d'administratrice.
et du projet sur la santé des populations autochtones qui est en démarrage. Et par la suite, à Pamela, qui est une de nos anciennes stagiaires et qui nous parlera de son projet et de son expérience de stage et des retombées que son stage a eues. Donc voilà, Chantal, on t'écoute. Merci, Sarah. Alors, je commencerai peut-être à dire, quelle était ma motivation pour justement me rapprocher du REFIPS. En fait, c'est comme enseignante et aussi, je n'ai pas qu'œuvré en milieu universitaire. Là, j'ai été au niveau d'une direction de santé publique. Aussi, j'ai été gestionnaire dans le réseau de la santé au Québec. Je gérais, entre autres, tous les programmes de santé publique. Et avec mon chapeau d'enseignante et de directrice d'un programme en lien avec la santé publique, c'est qu'à chaque fois qu'on prépare les lectures pour nos étudiants, on trouve très peu de publications en langue française qui traitent de santé publique. Donc, les rarissimes documents qu'on a pour des définitions et tout ça sont toujours pour la plupart en langue anglaise, ou bien c'est soit des rapports gouvernementaux, ce qui est bien, mais tout ça pour dire que même au Québec, on a aussi le défi d'offrir à nos étudiants des lectures en langue française, et une université comme l'Université de Montréal a quand même une politique au premier cycle à tout le moins. On ne peut pas évaluer les étudiants sur des lectures ou du matériel pédagogique qui ne sont pas de langue française. Alors, on a aussi ce défi-là, comme vous pouvez le vivre dans les autres provinces. Et l'accès à des lectures, je suis native du Nouveau-Brunswick, et systématiquement ou automatiquement, les gens pensent que parce que je suis du Nouveau-Brunswick, tout le monde, nous sommes tous bilingues. Il y a peut-être plus de francophones bilingues que d'anglophones chez nous, au Nouveau-Brunswick, mais nos étudiants au Québec, ils ne sont pas tous bilingues non plus, même si on a valorisé beaucoup la langue pour les étudiants à bas âge, le bilinguisme. Il n'en demeure pas moins que, comme étudiant, lire en français quand tu es francophone et que ta langue maternelle est le français, c'est toujours plus facile, ce qui nous permet d'apprendre davantage. Donc, c'était une de mes premières motivations de me rapprocher justement du REFIPS, parce que déjà, j'avais introduit dans des cours avec des chargés de cours qui sont sous ma responsabilité, plusieurs documents justement produits par le REFIPS qui aidaient aux étudiants à comprendre comment on construit un programme de promotion de la santé, parce qu'on a aussi un défi en santé publique et de démystifier ce qu'est la pratique de la santé publique, parce que communément, les gens instantanément vont référer à la prévention des infections, à la gestion des épidémies et des pandémies, puis on entend parler depuis quand même une année, on entend encore plus parler de santé publique, mais il faut démystifier ce que c'est, même à l'intérieur des boîtes comme des universités, parce que les gens ont souvent cette compréhension-là de la santé publique. C'est des gens qui font des lois et qui empêchent la population de manger ce qu'ils veulent, ou c'est des gens qui vaccinent, ou c'est des gens qui ne sont là que pour gérer des épidémies. Donc, il faut encore, même dans nos milieux universitaires, démystifier ce qu'est une pratique en santé publique, qui est beaucoup plus large. On parle de promotion, de déterminants sociaux de la santé. Et je me souviens quand j'ai accédé justement au programme au cycle supérieur à l'Université Laval, quand j'ai fait une demande d'admission, on m'a dit, pouvez-vous nous expliquer la cohérence et la pertinence d'une étudiante de sciences politiques qui veut venir en santé publique? Maintenant, quand je vois la santé dans toutes les politiques, je dis « I rest my case ». J'étais pas aux côtés de la traque. Donc, c'est ce besoin-là d'avoir de la documentation en langue française et pour présenter à des étudiants et même aux intervenants, parce que ma faculté, on s'adresse essentiellement aux professionnels de la santé déjà en exercice. Donc, ce ne sont pas de futures infirmières ou de futurs ergo-nutritionnistes. Ce sont déjà des gens qui sont en exercice. Donc, moi, je dis toujours qu'on a une chance de changer le monde beaucoup plus rapidement de cette façon-là. Donc, depuis ma présence au REFIPS, d'ailleurs, quand on a eu les nouvelles élections, puis
on avait des candidatures justement de, par exemple, de Nathalie. J'ai été comme, ah oui, merveilleux, une francophone hors Québec, parce que oui, les besoins sont là. Hein. Je suis partie, mais la francophone hors Québec n'est pas sortie de moi pour autant. Donc, je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins si je ne fais que faire référence à une situation avec mes parents où mon père devait avoir une chirurgie. Et pour lui, partir à Saint-Jean, se faire soigner dans un milieu anglophone, de ne pas comprendre, c'était un défi. Donc, finalement, il est allé à Québec. Mais pour dire que c'est aussi important quand les gens sont malades, d'être capable d'avoir accès à des services dans ta propre langue, notamment dans des moments de grande vulnérabilité ou quand on parle de littératie en santé, on peut être très instruit, mais devant la maladie, c'est un nouveau vocabulaire. Donc, il est important de le considérer. Puis quand le nouveau vocabulaire, en plus, t'ajoute la réalité que ce n'est pas dans ta langue maternelle, ce sont des défis qui peuvent faire en sorte que finalement, les gens, ils ne sont pas compliants, ils ne comprennent pas ce qui se passe et augmentent le niveau d'anxiété. Donc, étant une fille engagée, j'ai trouvé intéressant justement d'être sur le CA de l'organisation et je me suis permis, avec toute l'audace qui m'habite, de faire des suggestions de projets et surtout, quand on a commencé à parler à mettre en commun des définitions de la promotion de la santé, parce qu'il y en avait quand même plusieurs. Je me suis dit, oui, OK, c'est extraordinaire, mais on est encore dans des définitions allochtones. Et sur notre territoire canadien, on a quand même beaucoup de personnes autochtones et on sait que les approches de soins, l'approche de la maladie, de la santé peut être différente selon différentes cultures, notamment la culture autochtone. Et c'est de là que j'ai proposé un projet de voir, à faire un relevé de littérature dans un premier temps pour essayer de voir, bien, OK, c'est quoi les paradigmes autochtones au niveau de la promotion puis de la prévention? Et rassurez-vous aussi, je suis une fière, je défends beaucoup les principes de décolonisation, de réconciliation et d'autochtonisation. Donc, ce ne sera pas des allochtones qui vont définir ce qu'est la promotion de la santé pour des autochtones, mais on va le travailler, on le travaille vraiment en réconciliation. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques de DRA pour faire ce cours. Donc, mon implication, c'est sûr, m'apporte quelque chose d'un point de vue professionnel parce qu'ils aident aussi à mes étudiants, aux étudiants des programmes que je gère, d'être en contact avec l'organisme parce qu'ils ne le connaissaient pas non plus de façon importante, d'être capable de bénéficier de contenu écrit en français, comme d'être capable aussi de suggérer des besoins pour les enseignements et aussi au niveau social, parce qu'il faut sortir, comme l'Université de Montréal est sur une montagne, on utilise toujours l'exemple, il faut descendre de la montagne et aller dans le vrai monde. Dans le vrai monde, il y a des besoins, puis il faut être capable de former des personnes qui, oui, qui ont des savoirs, hein, des théories, des concepts, mais qui ont des savoir-faire et des savoir-agir qui vont justement permettre à des gens d'améliorer ou de bonifier leur santé grâce à des interventions qui vont être respectueuses des réalités, des différences et tout ça. Donc, c'est beaucoup les raisons qui m'amènent à participer avec le REFIPS. Et c'est ça, j'ai été sensible justement à la candidature de Nathalie parce que je trouvais ça intéressant, puis c'est toujours intéressant d'aider ailleurs dans le monde. Mais aider dans notre propre pays, dans notre propre province même, au niveau de l'accès à l'information, à la formation, aux connaissances et aux stratégies d'intervention dans sa langue. Donc, j'arrêterai ça là. Merci. Il faut que je gère ma longueur. Pamela, est-ce que tu voudrais ouvrir ta caméra?
Et oui. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Pamela Pinheiro-Portogomes et j'ai eu le plaisir d'effectuer mon stage au REFIPS à l'hiver 2020 dans le cadre de ma maîtrise en santé publique option une seule santé. Et lors de mon stage, le but de mon stage, en fait, ça avait été de développer un module qui portait sur différentes maladies en lien avec les inégalités sociales. Puis, étant donné qu'il y a un manque assez flagrant en ce moment dans notre communauté francophone sur le partage des connaissances, les connaissances qui sont en français sur ces thématiques-là, on a fini par développer un module d'introduction et de sensibilisation qui portait sur la relation entre les inégalités sociales et les zoonoses. C'est un thème d'ailleurs qui est devenu très rapidement d'actualité au cours du développement de ce module-là. Je dois dire que mon expérience a été extrêmement agréable. J'ai pu travailler et développer différentes compétences tout au long de ce stage-là. C'est sûr qu'au départ de tout, ma maîtrise étant une seule option, on parle beaucoup plus du côté des zoonoses et maladies infectieuses. Ça m'a permis de voir un autre monde. Bien sûr, durant ma maîtrise, j'apprenais beaucoup sur la promotion de la santé, mais ce n'était pas aussi flagrant, aussi réel de voir l'application de la promotion en santé dans les zoonoses et dans les maladies infectieuses. Donc, dans le cadre de mon stage, j'ai pu vraiment bien voir ce côté-là, puis de voir comment on peut utiliser les deux côtés pour travailler en santé publique et essayer d'améliorer nos façons de faire. Durant mon expérience, une des choses que je tiens à dire, c'est qu'il était extrêmement valorisant, c'était le fait de pouvoir développer mon autonomie en tant que professionnelle dans le cadre de mes recherches, mais en même temps d'avoir une très belle collaboration avec mes superviseurs. D'ailleurs, Sarah Chalpeux était ma superviseure tout au long du module. Alors, on a pu avoir une très belle collaboration qui a permis de faire en sorte que le module a pu devenir ce qu'il en est devenu et on en est très content. Donc, dans le fond, durant le cadre de ce stage-là, on n'avait pas assez de temps pour vraiment compléter le module au complet, étant donné qu'on avait décidé de se pencher sur différentes façons, différents types de maladies. Donc, on a commencé au départ durant le stage dans ce que le temps nous permettait. Et par la suite, on l'a complété au courant des mois qui ont suivi le stage. Le module a fini par être publié dans la tribune SS sur le site web du REFIPS vers la fin de 2020 et il y a eu plusieurs retombées qui en sont ressorties déjà. Notamment, le module a été retenu pour le Congrès international d'épidémiologie et Pitard à Delphes. C'était un congrès qui était supposé avoir lieu vers la mi-2020. Par contre, étant donné la situation avec la COVID, il a été reporté vers 2022. Donc, on est encore en attente par rapport à ça. Il y a aussi, ce module a aussi été un outil qui a été utilisé lors d'un cours sur les inégalités sociales de santé de la maîtrise et promotion de la santé à l'Université de Parakou. Et il a aussi été partagé, d'ailleurs, auprès d'un regroupement d'épidémiologistes de terrain, où est-ce qu'il y a environ 400 personnes qui travaillent, qui sont dans ce regroupement-là. Donc, le module a pu être très bien partagé. Donc, il commence à prendre un petit peu d'ampleur sur la communication à ce niveau-là. Puis, je tiens aussi à dire que l'expérience de stage que j'ai eue au REFIPS m'a aussi énormément ouvert des portes. Donc, j'ai été rapidement embauchée par la suite pour faire la gestion des éclosions de COVID au CIS de la Montérégie Centre. Et éventuellement, je vais débuter au sein du CIS de la Naudière aussi pour travailler en tant qu'AFPR en maladies infectieuses. Non seulement je vais pouvoir travailler dans le domaine de ma maîtrise, mais aussi je vais pouvoir tenir compte énormément de la promotion de la santé et les inégalités sociales dans toutes les démarches qu'on fait. Parce qu'avec le développement du module, mais on s'est rendu compte à quel point la relation est extrêmement étroite et qu'il y a tellement de choses à apprendre tout d'un côté ou dans l'autre là, pour nos façons de faire en tant que professionnels et essayer de combattre autant les inégalités sociales que les zoonoses.
Donc, c'est un petit peu mon expérience en tant que stagiaire au sein du REPIPS. Je le recommande à toute autre personne qui voudrait faire leur stage autant en promotion de la santé 100% que dans d'autres, peut-être d'autres thématiques où est-ce qu'on va avoir des liens à faire et qui vont permettre de voir très beaux modules, très belles productions qui peuvent se faire par rapport à ça. Merci. Merci, Pamela. En fait, maintenant, c'est place aux échanges, en fait. La période d'échange, on aimerait la commencer avec une question de sondage à la lumière de la présentation. Ce qu'on voudrait savoir, c'est vous, en tant que membre ou que futur membre du REFIPS, quels sont les types d'activités que vous aimeriez le plus se voir se développer au sein du réseau dans les prochaines années? Donc, est-ce que c'est plutôt les groupes de travail, les comités, les activités de mentorat, du développement de la révision de contenu, des projets académiques ou bien des formations, conférences, webinaires? Donc, je vous invite, je pense qu'il y a plusieurs options possibles. Donc, quand il y aura 70 % des personnes qui auront répondu, on pourra dévoiler les résultats du sondage. Alors, après avoir coché la case qui correspond à votre réponse, n'oubliez pas de cliquer sur « Soumettre » au bas de l'écran que vous voyez présentement. Alors, en attendant que la compilation se fasse pour vos réponses, j'aimerais vous inviter ou vous rappeler plutôt que nous vous invitons maintenant à verbaliser ou formuler des questions. Donc, vous pouvez utiliser soit la boîte de discussion au bas de votre écran et les rédiger, ou encore, si vous souhaitez poser votre propre question, nous serons très heureux d'activer votre microphone et votre caméra, si vous le souhaitez, et de vous lire et de vous entendre. Alors, vous voyez maintenant, Sarah, je ne sais pas si tu veux commenter les réponses. Le plus populaire de loin, c'est les formations, conférences, webinaires. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la même chose des webinaires que les formations. Ça peut prendre différentes ampleurs, mais c'est vraiment intéressant de voir que c'est vraiment massivement la réponse qui a été choisie. Et en deuxième place, c'est le développement ou la révision de contenu, alors que les autres sont à peu près égaux. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, en fait, de savoir que les gens veulent plus de formations, de conférences, webinaires, puis ça s'aligne avec des projets qui s'en viennent. Donc, je trouve ça super intéressant. Chantal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, ça rejoint certaines discussions, effectivement, là, qu'on avait eues. C'est intéressant de voir là, qu'il y ait vraiment là, un intérêt plus porté sur la formation et les webinaires. Puis, donc, ça augure très, très bien pour la suite des choses. Vous nous avez vraiment, mesdames, permis de faire un beau tour d'horizon de ce qu'est le REFIPS, et aussi par l'intermédiaire du site web, comment est-ce qu'on peut aller chercher davantage d'informations, de ressources, même chose avec le lien vers Promo Santé. Moi, j'aimerais peut-être tourner les questions du côté des personnes qui sont à l'écoute présentement. Donc, il y a plusieurs éléments qui vous ont été présentés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui n'étaient pas là puis que vous dites « j'aimerais vraiment que ça puisse être offert ou que cette thématique puisse être traitée, par exemple, par le REFIPS de façon à faire en sorte que le REFIPS soit encore mieux connecté ou arrimé à vos besoins. Donc, si vous voulez prendre la parole, encore une fois, une invitation à inscrire votre nom dans la boîte de clavardage et on ouvre votre micro, ou encore formuler les questions dans les boîtes de clavardage à l'écran, au bas de votre écran plutôt. Alors, je lis en attendant que les gens se répondent, je vois la question de Harold Joseph, médecin et pneumologue, directeur de la santé au ministère de l'Éducation en Haïti. Il mentionne que c'est Hélène Valentini qui est venue à Haïti, qui l'a introduit au REFIPS.
Ensuite, ils ont collaboré avec Ginette Lafontaine pendant plus d'un an et avec Sarah, une personne positive, dynamique. Félicitations à tous les trois. Donc, des mots de félicitations pour vous trois. Et beaucoup de remerciements. Il y avait une question aussi. On a eu quelques questions en cours de présentation de votre contenu tout à l'heure. Une dame du côté, une personne plutôt du côté du Burkina Faso, membre du REFIPS depuis quelques années, souhaitait savoir comment partager avec le réseau. Donc, ils ont des travaux scientifiques réalisés, est-ce qu'il y a une possibilité de les partager au niveau du REFIPS et peut-être de voir ses propres travaux et connaissances publiées? Oui, alors normalement, en fait, sur le site web Promo Santé, on a une option qui s'appelle « Proposer une publication ». Je peux peut-être même vous la montrer pour que ça soit plus visuel. Et à ce moment-là, via cette option, vous pouvez proposer une publication. Donc, c'est possible de le faire directement à partir du... Oui, on voit bien l'écran. Donc, promo santé, puis proposer une publication. Génial. J'ai une autre question de la part de Georges Vincent qui dit, avez-vous déjà eu un projet dans les communautés francophones du nord de l'Ontario? Non, pas encore. Pas encore. Hein. Il dit qu'il est originaire de Côte d'Ivoire en formation promo santé à l'Université Laurentienne de Sudbury, Ontario. Donc, vous avez peut-être là un contact éventuel pour développer quelque chose. Merci beaucoup, Georges. J'ajouterais à ça, Nathalie, puis bon, je ne sais pas, peut-être que les gens peuvent répondre soit en levant la main ou peu importe, il y aurait peut-être... Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aurait de l'intérêt justement pour avoir des collaborations? Oui, on en a déjà beaucoup en Afrique et tout, en Haïti, mais inter-province au niveau du Canada, est-ce que ce genre d'intérêt-là pourrait exister? Moi, j'y vois la pertinence, là, c'est toujours avec mon chapeau d'une native hors Québec, là. Puis encore là, c'est pas pour arriver avec que les paradigmes québécois, bien au contraire. Je vais m'assurer de mettre un petit peu de sirop d'érable là-dedans. Ben, il y en a au Québec, mais celui du Nouveau-Brunswick est meilleur en passant. mais tout ça pour dire que est-ce que ça pourrait être quelque chose qui intéresserait justement les participants d'Amérique du Nord d'avoir des projets en collaboration entre provinces au Canada, excusez. Alors, la question est lancée par Chantal, mais avant peut-être, et puis là, j'avais Harold Joseph qui avait demandé la parole, puis par la suite, Barbara Lausier du côté du Nouveau-Brunswick. Donc, Harold, est-ce que vous vouliez poser votre question? Oui, ça va, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons bien. Alors, l'un des points essentiels pour nous, ce serait de nous aider à faire, que le REFIPS nous aide à faire une formation pour le personnel en éducation, en promotion de la santé. Il y en a même qui sont intéressés à un programme de master au niveau de ma direction. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau en Haïti, il y a une direction de santé scolaire et qui est axée dont les actions sont axées directement sur la promotion de la santé. Et comme je le disais tantôt, nous avons une longue collaboration avec les gens du REFIPS et maintenant avec Sarah Chaput, qui préside cette institution. Et je connais aussi Chantal Lévesque pour avoir présenté au journée annuelle de santé publique et dans le temps. Et bonjour. Bonjour, Chantal.
Bonjour. Mais disons à court terme, je pense que bien, en fait le master en ligne en promotion de la santé de l'Université de Parakou, dont David Wetto, qui est le président du REFIP, c'est responsable, est ouvert en fait à tous, peu importe où est-ce qu'ils sont situés. Donc, et il y a plusieurs étudiants qui sont situés en Haïti et les inscriptions sont en cours pour le master en ligne. Donc, je pense qu'à court terme, parce que mettre en place une formation, ça prend du temps. Mais à court terme, je pense que ça pourrait être une option intéressante de joindre cette cohorte, la prochaine cohorte, en fait. Parfait. Et puis, j'espère que ça répond très tôt, M. Joseph. Barbara Lausier, du côté du Nouveau-Brunswick. Oui, bonjour. Je travaille avec le mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick et je voulais rassurer Mme Lévesque qu'il y a déjà eu des collaborations entre le REFIPS et les communautés francophones et acadiennes du Canada, notamment avec quelque chose qui s'appelait la collectivité ingénieuse de la péninsule acadienne, avec notre réseau, le MAC, et aussi avec la Société Santé en français et ses réseaux, alors qu'on avait monté une banque de données sur la santé des communautés francophones et acadiennes. Et j'avais posé la question dans la boîte de questions et réponses, à savoir si à un moment donné, il pourrait avoir un intérêt ou un besoin pour réactiver ça. J'approuve et j'applaudis le dynamisme retrouvé du REFIPS. C'est une bouffée d'air frais. Et moi, je pense que la venue de la prochaine réunion de l'Union internationale pour la promotion de la santé à Montréal, si j'ai bien compris, la prochaine conférence en 2022 pourrait être un lieu idéal pour tisser des liens entre la francophonie canadienne et le REFIPS. Puis là, je parle bien sûr de la francophonie canadienne en situation minoritaire à l'extérieur du Québec. Ben oui, tout à fait. C'est clair que comme ce sera. La musique à mes oreilles. C'est clair que ce sera un événement clé pour se retrouver. Il y a aussi, en fait, les journées annuelles de santé publique qui sont le plus gros événement, en fait, en santé publique entièrement en français qui a lieu à chaque année au Québec. Et ça aussi, ça peut être un événement, un lieu où on peut, et nous, en fait, le REFIPS Amérique, on a un intérêt à ce qu'il y ait plus de contributions des francophones hors Québec et des participantes aussi. Donc, bien sûr, la conférence mondiale, on a de la chance que ça soit près de chez nous cette année, mais même annuellement, je pense que les journées annuelles de santé publique pourraient aussi être une occasion de se réunir et on pourra aussi en trouver d'autres, bien sûr. Et pour ce qui est de promo santé, effectivement, ça avait été initié. Cette initiative, en fait, venait d'un partenariat entre le REFIPS Amérique et le mouvement acadien des communautés en santé. Il y avait Société Santé en français, effectivement, et la collectivité ingénieuse acadienne, si je ne me trompe pas. C'est ça, en fait, étant donné qu'on est en train de mettre à jour notre stratégie de veille promo santé, dont en fait, Nathalie fait partie du groupe de travail et représente à la fois le REFIPS, le conseil d'administration du REFIPS Amérique, mais aussi la Société Santé en français. Et ce qu'on souhaite faire, c'est de réaliser des entrevues auprès d'acteurs clés en promotion de la santé dans la francophonie canadienne hors Québec également, donc pour que les contenus et ce qu'on va développer soient pertinents aussi pour les francophones en situation minoritaire. Alors, c'est ce qui est prévu. Moi, ce que j'ajouterais à ça, on peut se créer une occasion aussi. Ça, c'est mon côté très dynamique. Créons-le. Créons-nous un espace, un événement. Oui, et puis j'ajouterais que, mesdames, votre demande pour est-ce qu'il y avait de l'intérêt au niveau des communautés, il y a aussi, bien, on vient d'entendre un son de cloche du Nouveau-Brunswick, mais il y a aussi du côté des communautés de l'Ontario que les gens se manifestent. On a beaucoup de messages qui rentrent à l'instant, je ne veux... on est tout près de la fin, malheureusement, mais il y a beaucoup de messages de félicitations. Beaucoup aussi, et soyez sans crainte, tout ce qui était inscrit dans la boîte de clavardage à titre d'information à venir, nous pourrons y répondre car le contenu du clavardage va être transmis
à nos panélistes et elles pourront donc donner suite par rapport à des possibilités de collaboration en promotion de la santé, de l'aide à la formation promotion de la santé, du plaidoyer pour pousser davantage la promotion de la santé dans les programmes de formation. Donc, je vous lis et tout ça sera transmis à nos panélistes. On a un message aussi de la présidente de la Société Santé en français, Anne-Lise, qui dit qu'elle est d'accord avec un renouveau de collaboration en promotion de la santé avec la Société Santé en français, les réseaux et la francophonie internationale. Alors, ça augure très bien. Je vous invite aussi, mesdames, messieurs, qui êtes à l'écran en cours avec nous présentement, vous allez voir si vous pouvez cesser le partage de votre écran, Sarah. Nous allons maintenant lancer un très court sondage qui va nous permettre de recueillir vos commentaires, vos rétroactions suivant le webinaire qui a été présenté aujourd'hui. L'évaluation, c'est très important pour nous. Donc, vous voyez des questions apparaître à l'écran. C'est très simple. Donc, de façon générale, le contenu du webinaire était présenté clairement, oui, en partie, non. Donc, vous cochez ce qui correspond à votre impression. Question 2, de façon générale, ce webinaire a favorisé l'échange et la participation. Question 3, donc vous pouvez simplement défiler la bande grise dans ce carré et voir les questions supplémentaires. Donc, la question 3, question 4, question 5, qui sont toujours très courtes, question 6. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous n'avez qu'à cocher « soumettre au bas de votre écran » pour que nous puissions ainsi accéder à vos réponses anonymes et facultatives et nous aider à préparer de prochains webinaires qui satisferont votre intérêt. Donc, nous en sommes à la toute fin de la rencontre. Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos prochains webinaires avec la Société Santé en français et le prochain webinaire du REFIPS qui sera offert le 14 avril prochain, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Société Santé en français et ainsi accéder au formulaire d'inscription. Tout est gratuit. Mesdames les panélistes, un grand merci de la présentation qui a été offerte aujourd'hui. Beaucoup de félicitations dans les boîtes de discussion et beaucoup de demandes de collaboration, de soutien, d'appui, de développer davantage le volet promotion de la santé et de le rendre encore plus actif et vivant à la santé de tous et de toutes, je dirais. Alors, merci beaucoup, mesdames. Merci à vous tous, les participants, pour votre grand intérêt aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir. Merci, Nathalie. Merci beaucoup pour cette occasion. Vraiment.